Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Je vais avec une vidéo comme tous les dimanches. Je vais faire une sauce un peu arachide, mais j'ai mis un peu de pistache là. Voilà ce que j'ai déjà écrasé avec une tomate, avec beaucoup d'oignons, parce que moi j'aime quand la sauce d'arachide est vraiment très simple. Je n'aime pas trop de mettre trop de choses dedans. Ce qui est important pour moi, les oignons. Donc j'ai fait frire mon poulet, parce que c'est là une sauce d'arachide poulet, quoi. J'ai déjà fait frire mon poulet, que voici. Vous ne pouvez pas voir une vidéo vraiment très longue. Très, très longue, quoi. Donc aujourd'hui, le titre aujourd'hui, c'est comment ne pas rester sans manger, quoi. Avoir toujours quelque chose à manger chez soi. Donc de ne pas mourir de famine, quoi. C'est très important quand quand on ne peut, même si c'est comment, on arrive toujours à trouver quelque chose pour cuisiner, pour trouver de l'argent pour manger, quoi. Voilà un peu ma vidéo. Donc pour ne pas avoir une longue vidéo, donc j'ai préféré aller plus vite. Donc je vais mettre directement l'arachide mélangé avec les pistaches. Hein. Moi, je vais mettre le citron dedans pour que ça ne fasse pas mal au ventre. Parce que les pistaches avec moi, quand surtout, ça me fait toujours mal au ventre, même si ça cuit comment. Si je ne mets pas le citron dedans. Donc, je vais ajouter le citron dedans. Soit vous mettez le citron, soit vous mettez même le bicarbonate de la cuisine, quoi. Comme ça, là, vous n'aurez pas mal au ventre. Voilà. Comme j'aime bien faire les trucs un peu spéciaux. Donc l'arachide là, j'ai grillé l'arachide et j'ai d'abord écrasé, après j'ai mélangé le tout. C'est la raison pour laquelle ça donne un peu comme ça. Je sais qu'il y a sûr un peu de boule parce que ce sont les pistaches, c'est normal. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner l'astuce. La vidéo elle ne sera pas longue en tant que telle, quoi. Mais comme je vous dis toujours, les astuces que je vais vous donner là, comme je vous dis tout le temps, si vous n'êtes pas purifié, si vous n'êtes pas propre, si vous êtes attaché, parce que je prends mon exemple à moi-même. Moi-même, vraiment, je vous donne mon exemple. Moi, c'est un truc que j'ai fait. J'ai fait l'expérience. Donc, j'ai compris que si tant que tu ne fais pas la purification, tant que ton corps n'est pas propre, vraiment, quel qu'en soit ce que vous allez faire, ça ne va pas passer. Parce qu'après, c'est un peu qu'on dit que, ah non, moi, les astuces, ça ne marche pas, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche en vous, donc il faut nettoyer ça avant de faire ça. Donc, par exemple, vous pouvez prendre, je ne sais pas qui ne risque, bon, moi-même, je n'ai pas encore fait ça. J'ajoute un peu du sel. Moi-même, je n'ai pas encore fait l'astuce là. On demande d'acheter un slip rouge que vous allez accrocher là devant dans votre chambre, quoi, accrocher sur la lampe de votre chambre. Je n'ai pas encore essayé ça, mais qui ne risque, quand tu crois en quelque chose, pourquoi ça ne marchera pas? Surtout quand on dit qu'il faut faire ton vœu pendant 21 fois. Tu fais le même vœu pendant 21 fois, mais si ton corps n'est pas propre, ta maison n'est pas propre, ta maison est sale, ta maison est remplie de mauvais esprits, je ne pense pas que ça va marcher. L'autre astuce, c'est que vous demandez quelque chose, pourquoi pas y tester avec les feuilles de laurier. Vous mâchez ça et vous avalez l'eau là. Et vous demandez quelque chose à quelqu'un, quoi. Quelque chose, je n'ai pas demandé d'aller. Je n'ai pas dit que c'est pour demander les millions ou les milliards, non. Pour avoir quelque chose à manger, quoi. Voilà un peu l'autre astuce. Donc, une autre astuce consiste, c'est ça, c'est ça qui est un peu spécial. Bon, l'autre astuce consiste, vous allez aller acheter, vous voyez la serviette du bœuf, quoi, la serviette du bœuf, vous allez prendre ça. Mais vous allez prendre l'autre qui a plusieurs poches. Vous allez prendre vraiment le tout.
vous allez mettre tous les condiments que vous connaissez dans la maison, tous les condiments que vous connaissez, vous allez mettre ça là-dedans, bien fermé. Vous allez bien, je dis bien fermé. Et après, vous allez enterrer ça quelque part chez vous en faisant vos vœux de ne jamais manquer de quoi manger. C'est très important ce que je dis là. Voilà l'astuce que je vous donne. Après, vous allez dire que je suis là, je ne donne pas. Il y a les astuces que je peux donner, il y a ce que je ne peux pas donner, ça c'est clair. Voilà une astuce que je vous donne pour ne jamais manquer quelque chose à manger chez soi. Vous pouvez aussi, pourquoi pas le riz. Comme je disais, si votre maison est vraiment propre, que vous nettoyez ça très bien, il n'y a pas de mauvais esprits qui passent. C'est très important d'arranger les maisons. Hein. Quand votre maison est vraiment bloquée, ça empêche aussi les esprits de bien circuler, de ne pas être bloqué dans votre maison. Si vous êtes quelqu'un de désordonné, faites l'effort de ne plus l'être, quoi. Donc le riz comme ça, là, vous pouvez prendre le riz et mettre derrière votre porte. Là, vous avez besoin de prendre un petit truc. Et mettre dedans et déposer derrière votre porte d'entrée. Il y a ça. Pareil qu'il y a aussi le chiffre 68 que vous pouvez écrire et mettre dans votre poche. Mais tout cela, faut faire les vœux. Tout cela, faites vous-même votre expérience. Hein. Que si vous êtes quelqu'un, d'abord, il y a les gens comme ça, parce qu'il y a un gars qui m'a dit ce matin que je donne seulement les astuces, mais pourquoi pourquoi il faut que je dois aussi faire les astuces pour prouver que. Ça a marché sur moi ou bien ça a marché dans mes alentours. Mais je pense que je ne comprends pas les gens. Donc on dirait que quand je parle, on n'écoute pas ce que je dis. J'ai fait la vidéo récemment, là, monsieur. Je pense que c'est un monsieur. Récemment, là, que j'ai expliqué ce que c'est que. Même je peux faire quelque chose, ça marche sur moi. Je vous montre que voilà comment ça a marché. Toi, tu vas aller faire, monsieur, ça ne va pas marcher, si tu sais ça. C'est normal parce que regardez ma vidéo là où je parle, je dis que les gens sont différents. Je veux dire ça mille et une fois. Je ne sais pas. C'est normal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est tout à fait normal. La nature est faite ainsi. Même si je vous montre, je vais vous montrer, je vous ai déjà montré la purification qui marche avec moi. Mais ce qui est sûr, il y a les gens qui vont faire ça. Ça ne va pas marcher avec eux. Toi qui dis là que je fais les vidéos, il faut que je montre que ça marche pour mes amendements. Tu ne vois pas regarde un peu la réaction des gens aussi. Avant de poser même la question, regardez la réaction des gens. Ce que les gens disent par rapport à ce qu'eux ont fait, ça a marché chez eux. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que je dis, je n'invente pas ça. Tout ce que ce sont nos ancêtres qui ont laissé ça. Hein? Si vous utilisez ça mal, c'est normal que ça ne va pas marcher. Si vous utilisez ça pour faire du mal à quelqu'un, c'est clair que ça peut même rentrer contre vous. C'est clair. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il vous faut pour que ça marche. Peut-être qu'il vous faut autre chose. Ou bien peut-être qu'il faut que vous enlevez quelque chose là pour que ça marche. Ou bien ajouter autre chose. Comme moi, avec tout ce que j'ai eu récemment, j'ai envoyé mon petit frère aller voir pourquoi. Hein? Et le monsieur là m'a bien expliqué que maintenant, ma fille, tu ne fais pas très bien ce que tu es en train de faire. Il faut ajouter plus de ce que tu fais. J'ai bien compris. Voilà encore l'exemple que je vous donne sur moi-même maintenant. Bon, maintenant, je fais encore récapitulatif. Donc maintenant, si vous voulez faire manger comme moi, une sauce un peu d'arachide comme ça là, vous avez besoin de. En tout cas, vous pouvez prendre le poulet comme ça, là, comme je suis en train de mettre. Ça, j'ai mélangé la sauce, l'arachide avec les pistaches, avec une tomate et beaucoup d'oignons. Bon, peut-être vous vous faites autrement. Hein. Moi, c'est comme ça que moi, j'aime préparer une sauce d'arachide simple, très simple. Mais bon, j'ai ajouté autre chose, c'est clair. Maintenant, pour les astuces, soit vous allez prendre le riz que vous allez mettre derrière votre porte centrale, soit vous allez écrire le chiffre 68 et vous allez mettre dans votre poche, soit même vous allez acheter un slip rouge que vous allez accrocher au niveau de votre ampoule dans la chambre, soit pourquoi pas faire l'astuce, c'est prendre la serviette du bœuf, que vous allez mettre tous les condiments que vous connaissez dedans, là-bas, céréales, les condiments, même le sucre, mettez aussi le sucre, tout, même le miel, pourquoi pas, même le miel, ça sucre. Vous prenez tout ça et vous allez enterrer ça, creuser quelque part dans votre maison, quelque part chez vous, quoi, et vous allez enterrer ça là-bas et faites vos vœux
pour que vous ne manquez jamais de quoi manger. Voilà ma vidéo. Donc, je vais vous montrer la fin de mon plat. Et moi, je vous dis à si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez ajouter, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye. Alors, voilà ce que ça donne, mes amis.